Oh yeah, deuxième partie du LCBT numéro 29, toujours à la Gaming House de Marseille, toujours en compagnie de mon cher Twix, mon coach personnel. Est-ce que tu es toujours motivé? Après 28 émissions, nous sommes à la 29e. Twix, Gold 5, mais c'est même âge de promotion, peut-être une petite lueur d'espoir en prévision ce soir. Ouais, t'arrêtes de jouer en dehors des streams en fait, parce que j'ai l'impression qu'on avance et qu'on recule. Alors comment veux-tu qu'on avance? Nouveau PC, soon. Nouveau PC Soon, et là, Karine. Là, ça. Là, Karine, et tout 60 FPS constant, tout le bordel, avec un vrai écran. Là, le platine. Le platine dans deux semaines. C'est facile, platine. Bah oui, justement, concentration, rigueur, sérieux, et puis les petits papiers de bloc-notes, comme d'habitude, hein. Hein, on est d'accord, j'ai toujours les petits papiers de bloc-notes jaunes là que tu m'avais fait dès le début, vous vous en rappelez bien sûr, lors des premiers LCBT où il était là avec... C'était l'ancienne époque, on n'avait pas de moyens. On prenait des petits papiers de bloc-notes pour noter un petit peu toutes les erreurs. Ou tu jouais sur une table qui était là environ. À peu près comme ça, là. On jouait comme ça, c'est un peu relou. Mais bon, ça a évolué évidemment. Et nous sommes passés à une configuration matérielle bien supérieure. Toujours la même moquette. On est dans la game, 35 secondes encore avant de pouvoir pick. Le sondage se finit dans 20 secondes. Vous pouvez toujours voter en bas du lecteur. Et nous avons donc le rôle que tu vois. Voilà, le rôle que tu vois qui est en bonne position. Ouais, donc il faut réfléchir vite et bien. Donc. Ah, ça ne sera pas une surprise, ça sera le rôle d'AP, donc le rôle de mid laner, les amis. Ok, remonte ta liste, s'il te plaît. Ok, on a fait quasi X machin, ok. Donc faut prendre un. On peut faire un karma ? Non. On va refaire Lux, parce que la dernière fois c'était mal passé. Ah ouais, la dernière fois c'était trop. On va refaire Lux. Non, pas d'Ignet. On verra. Je téléporte, mais. J'ai mis un truc. Pour jouer Lux quand on n'est pas trop habitué, jouer avec barrière c'est bien. C'est très bien. C'est très très bien. De toute manière, Lux, ça, c'est un petit inconvénient quand même. C'est que ça a une grosse portée. Donc l'Ignite, c'est cool quand t'es sur ta phase de lane, tu mets des combos avec les auto-attaques et tout. Mais après, en teamfight, ça arrive très rarement quand même d'engager un mec et de lui mettre un sort et après de faire péter la marque à l'auto-attaque. Hein. Ouais. C'est plus rare. Ouais, ou alors tous les moves classiques de Lux, hein, tout simplement, quand elle va se diriger vers un jungle, elle va essayer de mettre son ulti pour aller kill quelqu'un qui est complètement à portée, on n'utilise pas l'Ignite. L'Ignite, c'est pas quelque chose qu'on utilise sur 100% des cas. Parce que dans certains cas, on n'a pas la portée, tout simplement. Niveau des runes, niveau des masteries, mon cher Twix, on repart en 21-09. Ouais, on repart en 21-09. Certes, on n'aura pas la barrière améliorée, mais dans une configuration solo queue, c'est quand même mieux, de mon point de vue, après ça n'engage que moi, bien sûr, d'avoir l'affinité runique, en fait. Je préfère avoir l'affinité runique. Et on va quand même partir sur de la barrière. On n'a pas encore le mid laner en face, la solution, c'est vrai. Renekton ira top lane sûrement, Blitzcrank et Tristana en bottom pour l'équipe en face. Vie dans la jungle, et puis pour nous, il y aura Lee Sin de l'autre côté, Leona, Varus en bot lane, Yuriko top, et puis moi-même en mid lane. Caitlyn avec Leona. Ça va, c'est pas aussi agréable. Yuriko est un peu bizarre, mais bon, c'est un très bon investissement late game. Oh, Ryze, c'est tranquille, ça a GoTP. GoTP, pourquoi? Parce que le Ryze va pas venir nous défoncer. Il a une petite portée, j'ai une grande portée, je suis complètement safe. Alors tu étais presque, mais parce que le Ryze. Le Ryze. Joue avec. TP. Voilà, exactement. Peut-être pas. Peut-être pas. Au niveau des runes. Au niveau des runes, on est. Alors si tu as de la régène mana, c'est mieux. C'est bon, j'ai de la régène mana, on se régène et on se met bien. En jaune, les régènes mana, puissance en quintessence, résistance magique en bleu, pénétration magique en rouge. Et bien, je sais plus, c'est tout, parce qu'il y a bien assez. On résume un petit peu les joueurs dans la game. Renekton top lane, Ryze middle. De l'autre côté, Yorick contre Renekton. Ça, c'est un match-up qu'on n'a plus vu depuis quand même un certain moment. Yorick, moi, ça fait longtemps et ça fait plaisir d'en voir un pour une fois dans une de mes games. En plus, match de promotion. C'est pas tip-top, Yorick contre Renekton, parce que forcément, il y a beaucoup de persos pour la régène du Q-spell et tout. C'est relou, très relou. Et aussi parce que Renekton, ça fait très mal en early. Et en early, Yorick, ça reste... Ça reste merdique. Ah, ça pue du cul. Ça reste merdique. Si ça se prend un mauvais beurre, ça reste très 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 merdique. Donc là, il joue avec Ignite, donc il va faire un Iceborn Gauntlet, j'imagine. Alors, on regarde un petit peu les summoners, rapido. On a un Ignite, on a une barrière du côté de la Tristana, un Exhaust du côté de Ryze la Ryze qui joue avec Ignite. Donc ça veut dire... Bon, déjà, ça veut dire qu'il joue pas en utility, du coup. Ok. Ça voudrait dire ça. On va regarder ses stats au level 1 histoire de voir s'il joue avec des quintessences movement speed
Et si ce n'est pas le cas, bah, c'est gros avantage pour ton équipe, du coup. Parce qu'il a des runes inutiles. Il va falloir que je fasse un peu plus gaffe peut-être sur ma midline, étant donné qu'il a l'Ignite maintenant. Oui. En jungle, il y a une vie. C'est pas vraiment Ryze en 1v1 qui va te faire peur, parce que tu vas toujours avoir la plus grosse portée. Et tout. Avec la vie, non? Voilà, avec la vie. Level 6, c'est warning, 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 warning. Il faut une ward au-dessus, une ward en dessous au level 6, sinon you die, mais trop easy. C'est Lee Sin, dans cette configuration, il est avec nous, le jungler. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter? Du tanking dans cette équipe? Il va pouvoir nous apporter, oui, ça va être un petit peu le love tank. On va dire ça comme ça. Et en early game, s'il arrive à bien dash sur la middle lane. Enfin, le langage typique, ce serait de mettre ton E sur Ryze, de laisser la zone de snare. Lee Sin qui arrive à mettre son snare aussi. Puis toi qui te positionnes, tu essaies de mettre en route. Ça force un flash ou ça force la mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, on va voir si je vais réussir. Après, à le faire. Après, dans le trade 1v1, Lee Sin est plus fort que Vi s'il loupe pas ses skill shots. Donc, il est plus fort, théoriquement. Voilà. Parce que, à mon avis, ça va. Ça va miss. Quelques questions sur RC, vous pouvez toujours nous en poser. On n'en a pas répondu depuis à peu près une petite heure. Il y a Lina qui nous demande qu'on joue quelques champions sortis de l'ordinaire. Comme vous le voyez, il est sur RC. _Lina. Nous avons LKGH. Twix, peux-tu coach Zerator quand il réfléchit? Ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand il réfléchit. Ça voudrait dire que tu ne devrais pas coacher beaucoup. Vous le retrouverez de minuit à 2h du matin. Ne vous inquiétez pas. Pas trop dire, non plus, j'ai pas compris. Alors, au start, on fait un pendentif régène mana. Oui, 4 potes, une ward, 2 potes mana. Ça reste un truc safe. Alors, généralement. Non, dans ce cas-là, non. On va plutôt rusher la tête dans ce cas-là. Parce que Ryze, c'est quand même un truc dangereux. Il faut rusher la CDR sur Lux, 20% de CDR Azap. Donc, soit Athènes, soit Morello. Avec le Morello, généralement, si tu fais un start un peu plus rusher, bah, on fait 2 pendentifs Regen Mana. Après, il y a un autre start alternatif sur Lux, c'est le start l'arme de la DS. Mais en solo queue, moi, pas aimé beaucoup. Parce que l'arme de la DS met longtemps à stacker, ouais, être relou. Ouais, trop relou. Et CDR être mieux. Alors, Lux a pris un petit nerf sur le cooldown de son ulti. Ça a pris plus de 10 secondes, mais c'est pas. Ça change pas grand chose. Non. On met toujours des gros lasers. C'était déjà pété avant, donc si tu veux, ça change pas. C'est pas ça qui fera le truc plus pété. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prends ton E. Ouais. Allez, vas-y, on va tenter un truc de l'espace. Go. Avance vers le rebuff bleu, dans le side bush. Mm-hmm. Alors, mets ton E pour checker le bush. Ici devant toi. Voilà, check le bush ici, mets ton E. Voilà, recule. Alors, tu flash out. Attends. Si ça flash, si Ryze flash in, tu te barres. Alors, et ça va flash in, donc flash out, t'as pris l'ignite et tu es mort. Dommage. Non. Oh non, oh ça passe. Allez, voilà. Ryze, pas de flash, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors. Je vais back à la. Oui, tu back. Je vais TP. Tu vas utiliser ton TP aussi. Donc, tu reprends ta potion, il s'est rien passé sur cette midlane. Il s'est rien passé. Si, ils ont craqué un flash. Ils ont craqué un c'est flash, bien. Toi aussi. Oui, c'est bien. Que Ryze ait pété son flash, c'est très très bien. Donc, et l'ignite aussi. Et l'ignite. Alors. Une chose très importante, que j'avais oublié, parce que c'était le problème principal qu'on avait, la portée de tes sorts. Ouais, c'est vrai. Grosse portée, Lux. Genre là, checker ce bush, tu pouvais faire de perpète. Ah ouais? Ouais. Genre d'ici là, tu peux quasiment lastic le minion. Là. Voilà. Boum. Ouais. Voilà, grosse portée. N'oublie jamais ça, grosse portée. Très bonne initiative de ward en early, parce que c'est la merde, t'as pas de flash, donc on fait gaffe. Le Q spell, bien entendu. Alors n'oublie pas les mécanismes de Lux, chaque fois qu'on met un sort, une auto-attaque. Un sort, une auto-attaque, parce qu'on met une marque de mort sur. Oui, bon, ça on s'en fout, parce que ça fait plus mal, quoi. Oui, ça fait plus mal, on s'en fout de l'or. Qu'est-ce que c'est? Elle met un rayon de la lumière, c'est ça? Puis après, t'as les anges qui viennent taper avec. Tu vas te prendre un petit trade là, voilà. Voilà, très bien, t'as plus de potions que lui, il a start en. Alors, tu vas le poke. Merde. Donc dès que t'as l'occasion, dès que tu vois un last hit, on en a déjà parlé, tu pré-shot ces last hit, en gros, et tu mets tout simplement... Le Z ou pas? Non, prends ton E. J'ai dit on va le poke. Mm-hmm. On va le poke, donc hésite pas si tu veux choper tes last hit et tout, n'hésite pas à utiliser des spells. Hein. Donc tu le poke, tu zones avec ta zone, parce que justement, ça reste au sol, donc il peut rien y faire. Donc si tu mets ça devant, ça vie est top, donc tu peux prendre plus de risques. Voilà, une petite auto-attaque, voilà, c'est très bien, t'as tout compris. Pourquoi on fait ça? Parce que Ryze, c'est quand même un close range au niveau de ses auto-attaques. Et que du coup, c'est la merde pour lui. Donc là, tu vas faire un truc horrible. Tu vas poser une zone et tu attends. Et là? Voilà.
un CS de dynamique. Ça c'est relou ça. Un CS. Ça, quand on le fait en solo queue, je rage. Deux CS de dynamique. Voilà, c'est aussi simple que ça. La vie est encore. Oh la vache! Voilà, tu poke. Tranquillement, potion de mana, tranquillou, t'as tout ton temps. Et les creeps qui ont les marques, bah voilà, tu les finis tranquillement. Voilà, 3 CS de deny, toi t'en as loupé un. Tu mets ton E en plein milieu, voilà, tu poke encore. Voilà, oh, c'est merde. Parfait. On va refaire une wave. Mais on peut en faire même deux, non, je pense. Non, on va refaire une wave et on va revenir avec le calice. Calice. Alors, okay. Tu attends que les creeps se groupent et tout, et tu lui mets un gros push dans la tronche. Ryze est très vulnérable en early game au push. Très, très, très vulnérable. Il y a vie sur ton flanc gauche, tu l'as vu. J'ai vu. Elle est pas très bien en HP, donc si elle vient, c'est tout bénéf en fait. Alors, il y a ton jungler qui y va. Mets en route, vas-y, go, route, 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 route. Shield-toi. Voilà, recule un peu. Voilà. Et tu continues notre attaque, nickel chrome. GG ça. T'aurais, ça aurait pu mieux se passer, t'aurais pu la route ouais. Avant qu'elle fasse son Q-spell. Parce que quand tu l'as vu canaliser, tu t'es dit, bon, elle va pas bouger. Donc t'aurais pu la buter, et t'aurais pu récupérer les buffs. Mais bon, ça s'est bien passé quand même, donc on va pas être trop exigeant. Ouais, hein. On va pas être trop exigeant. Ouais, donc au niveau des CS, on va en parler. Non, mais le Q-spell, la merde là. Alors, on fait un calice, bien entendu. Et. Alors fais ton calice. On va prendre des bottes. On prend les bottes. Cool. On prend les bottes. Encore une botte. Voilà, c'est bon. Ok. Pourquoi les bottes si tôt? Bah, vie, pas de flash, la merde. Tu récupères dans 20 secondes. Donc, mobilité, c'est cool. Mobilité, c'est cool. On n'a pas acheté les deux wards pour le level 6 de vie. Non, on n'a pas acheté les deux wards. Elle est passée, tout simplement. Oui, 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 c'est ça. Donc là par exemple, Lee Sin, on était le jungler tout à l'heure. Tu me disais les bots, etc. Jarvan, lui il a pris les bots avec Lee Sin directement. Tu ne conseillerais pas ça? Pour Lee Sin, si. Parce que Lee Sin, du coup, il engage vraiment au corps à corps. S'il veut pouvoir gap close après. Avec Jarvan, c'est complètement différent. Ok. Jarvan a plusieurs dashs en l'occurrence. Donc... À la limite, ouais, il aurait pu s'en priver. Il aurait pu faire son madred, ça aurait été beaucoup plus rentable en fait. Donc oui, il aurait pas dû faire les bots. Ok. Théoriquement parlant, il rappelle. Oh! Dommage, c'est le creep le plus important. Par le flanc gauche, parce que ça m'étonnerait que Vi veuille te dive sur son red buff. Ouais, je vois ce voilà, que tu veux dire. Voilà, simple logique. Voilà, tu continues de push, hein. Vraiment, tu spams. Alors, tu ne vas pas au corps à corps de Ryze, parce que Ryze est Terminator au corps à corps. Ouais, c'est vrai, ça. Tu restes à distance et tu push, tout simplement. Parce qu'il a pas d'ulti, donc il peut pas dépush, pas de. Oh merde. Alors on push plutôt que faire les trucs comme ça. Voilà, le pré-shield, très bien. Rapproche-toi de ton flanc gauche. Parce que c'est là où t'as la vision. Ouais. Regarde ce qui se passe bottom lane et prépare ton TP. Alors si ça part en agression, si tu... Ah, vie est en dessous de toi, tu l'as vu. Alors, TP dans... Non, TP pas. Vie était en dessous de toi, tu l'as vu. Hein. Top, ne TP pas non plus, ça ne sert à rien. Concentre-toi sur ton farming. Tu surveilles, tu veilles. La vie était en dessous de toi. Ok. Genre au niveau des blazes. Ça avance, ouais, j'ai tu as vu. Non, c'est chaud. Ah, si je vois un engage. Si tu vois un engage, t'y vas. Mais le truc, c'est qu'il faut arriver à faire les deux en même temps. À prendre et l'XP. Là, il est sur son buff bleu. Voilà, très bien. Alors si tu veux faire un engage bottom lane, il faut plutôt économiser ta mana. Donc ce que tu fais relativement bien. Oublie pas tes auto-attaques elles te déchirent avec le debuff. La bottom lane qui se passe. Tranquillement. Go. Non. Derrière eux. C'est bon, t'es dessus. Derrière eux, t'avais une ward derrière et t'es complètement mais... free. Je pensais que j'avais des points de temps et tout. Alors... Non. Dommage. C'est pas grave. Oh, c'est relou quand même. Ne passe pas par là. T'as raison. T'as un match de classement là, 50 CS, 44 pour Ryze. C'est pas grave, pas de pression. Mais si, il se passe Warded, ok. Ouais, t'aurais pu être au-dessus, ça aurait été beaucoup. Ça aurait fait. Je pense pas que ça aurait fait un kill, mais ça aurait fait cloquer les chemins là. Au moins. Ouais. Ton blue buff il a été fait, Lee Sin l'a pris. Super. Ah, on commence à avoir l'habitude. Tu t'es fait shield, c'est très bien. Il a plus de mana, hein. Je sais pas ce qu'il branle. Il y a Lee Sin derrière lui, donc avance-toi. Ne jamais engager aucun spell, nom de Dieu.
Voilà, il a snare. Si tu peux flash une route, t'avais pas ton route. Là, tu l'as, et le laser. Sanction, auto-attaque. Dommage. Le shield, aller, retour. C'est bon, tu te sauves. Oh là 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 là. C'est toute la force de Lux. Hein. Voilà, nickel, chrome. Laser ou le shield? Les deux, on va dire. Non, le Q-spell ou le Z que je jette? Ah, le Q-spell, bien sûr. Fais exploser ton E. Oh! T'as fait exploser ton E là? Mais non, c'était mon Q-spell. J'avais pas de mana pour mon E. Ah, ok. Sinon, t'étais mort. Putain. J'ai trop fait de la merde! Stop! T'as été exécute, on s'en fout. Ah bon? T'as été exécute, on s'en fout. Ah non! Ok, t'as été exécuté. Codex. Codex et pas de word. Voilà. Alors, c'est pas à peine de tout dépenser. Hein. Ok. Attention. Pourquoi pas juste avoir mis le. Et plus de mana. Plus de mana. Alors, t'as pas trop du tout. Hein. Enfin, arrêtez de dire des conneries sur Yersi. Qu'est-ce qu'il a? Trop again. Excusez-moi. C'est une mort vraiment dégueulasse. Ouais, on est d'accord. Mais ça a pas de conséquences dramatiques, donc osez. Faut se barrer là. Ouais, faut se barrer. Alors, ça aurait été bien que t'aies eu ton TP, mais bon, tu l'as pas en l'occurrence, donc Osef. Alors, si. Oui, bon, tu prédécales bottom là. Vas-y, go. Prédécales bottom, t'es en cas sniper, ou aller les faire chier, tout ça, tout ça. Tu fais attention au Blitzcrank, tu sais où il est, etc. Ok, bon, très bien. Alors, route-le. Donc c'était wardé. Donc là c'était wardé. Là ici il y avait un jalon. Non, ici. Ici. Dans le tribush. Et j'étais là moi. Et t'étais là. Bah mais c'est pas. Bah il a la vision. Nos problèmes. Ah bah ouais, mais. Des fois. Je me demandais pourquoi il m'avançait comme ça. Oui, voilà. Il t'attendait en fait. Il était en réception. Il était pas con du tout. Il t'attendait. La rochette tabi, Madred, ok, pas de problème. Bottom lane, ça. Ils ont pas vu Grimes? Bah si. Je crois que non. Alors, Bisrank meurt. Pas. Alors, le laser, non, beaucoup trop loin. Oh, il est encore dans le bush. Vas-y, snipe. Avec la portée. Mais j'ai pas la portée. De toute façon, je l'aurais pas eu. Ouais, non, tu l'aurais pas eu, c'est vrai. Il a bague juste avant. Ah bah tiens, petit friki. Tu te décales un peu sur la. Voilà. C'est bon, t'as l'assist sur la. Ne chase pas trop, occupe-toi de ton farm. Middle. Alors. Normalement, tu devrais être bien derrière le Rise, mais vu qu'il a décalé aussi, je suis pas si sûr que ça. 65 contre 67. Ok. Alors, fais quand même attention parce que voilà, spell vamp et tout, OP, machin, la tipotata. On est au coup. Le mec il a lancé deux sorts, c'est bon, il fout life, un petit E et tu le casses. Voilà. Wow. Alors là, cette grab. Oh la vache, mon dieu! Alors là, je sais pas comment t'as fait, mon gars, mais. J'ai je crois que c'était un tour de magie, celui-là. Tu t'appelles Houdini. Ouais. Alors. On va. Avance-t-on encore. Zone de snare. Voilà. C'est bon, free kill. T'aurais plus le KS. Hein. Ouais, mais moi je suis pas comme ça. Hein. Si, il faut. T'es carry AP, hein, t'es pas support. Ouais, mais carry AD, c'est bien d'avoir un kill sur lui aussi. Mets-toi une petite ward sur leur bleu. Direct? Oui, direct, parce qu'on est sur le timer. Voilà. Comme ça, tu peux le sniper au cas où. Ouais, j'ai compris. Petite ward en top lane, ça pourrait faire du bien aussi. Petite potion. Voilà, tu dépushes. Tu évites de back parce que tu sais très bien que Ryze va revenir. Et qu'il va certainement faire son. Alors, regarde ce qui se passe top lane. Et prépare ton TP. Si la vie go in, tu go in. Très bien, parfait. Le TP est super discret. Voilà. Très bien. Voilà. La magie du téléport. Bon, j'ai un peu chié mon ulti, hein. j'ai eu peur. Hein, moi. Non, t'as eu Renekton. Ouais, mais j'ai eu peur. Tu connais peur? Oui. C'est un pote. Alors, il veut faire ton bout. Alors, quand t'as des lacites à faire comme ça, tu sais, t'as des marques qui traînent sur les gros minions là, ouais. Derrière. Bah, fais péter les marques plutôt. Tu vas gagner du temps.
Ah. Ça te fait faire des grosses auto-attaques et tout, c'est marrant. Voilà. Tu back? Je peux prendre mon bleu? Bah, il voulait te le faire, mais en fait, non. Bon, ouais, trop tard. Vous avez tous les deux back et tout. Dommage, t'as pas pu snipe celui de Rise. Bon, c'est pas dramatique. Je pense que c'était worth it, ce que j'ai fait. Ah oui, t'as fait double kill. Donc là, t'as ton Athènes. Ouais, fais ça. Parce que en temps normal, on aurait. Un petit cristal. Ah non, non, on va faire un petit Doran. Un petit Doran, parce que après ça, on va partir sur de la paix deep. Genre en mode tout dans la choupe. Un petit Zonia, non, ça marche pas ça avec Lux. Rabadon directement, et puis on fait. Avec Lux, t'es quand même censé. Ouais, je suis censé faire du Mdeya. Non, t'es censé être loin surtout, t'es pas censé prendre le hard focus. Alors regarde ce qui se passe bottom. Ouais, elle est morte, c'est pas grave. Oh non, l'exo. Blitz. Blitz est mort, lui, par contre. Ah ouais. Et nous, je peux one-shot là, quelqu'un. Non. Genre Tristana. Non. Encore 1000 HP, c'est quoi? T'as un Athènes, t'as pas un Rabadon. Le route il passe là. Voilà, mais lui trouve un chevaux. Voilà, tu vois. Alors t'as pas fait péter ton E par contre. Ah ouais, putain, je pensais. Alors t'as TC des Soon. Oh merde. Waouh. Mets ton E derrière toi, maintiens-le, tu fais péter. Tu reviens par au-dessus. Ton route dans 3 secondes, n'en fais pas trop. Oh, c'est toi quand? Eh non, les creeps. J'ai oublié. Voilà, tu maintiens ta zone de snare, t'as pris l'assist. Fais gaffe. Voilà. Voilà, retour, t'as tenté CD. Voilà, zone de snare. Non. N'importe quoi. Non, ouais, n'importe quoi. T'as pété un plomb. J'ai pété un plomb. Ouais, ouais, ouais. T'as fait tu faisais quoi quasi? Je sais pas, j'ai flash, j'ai vu mon E qui tournait encore, je voulais balancer. T'as flash, t'as fait baguette magique, magie, la magie sort. Ah, ah la magie pas assez forte, tourne. J'ai flash mon gars, je croyais que j'avais encore mon E, mais il était en zone de snare, là, tu me parlais, tu continues à zone de snare, j'ai continué à zone de snare. Non, t'as pas ton TP. Oh, qui est une maman. Oh, c'est bon. Deux petits kills pour elle. Ouais, c'est bon. Oh, le trap, lol. Avec le renecton et tout. Elle est pour toi la vie. Hein. Elle est pour toi, tu merdes pas. Attends le Drake. Tranquillou, t'as le temps. T'as tout le temps du monde. Voilà, tu mets un E, un ulti. Fais péter ton E. Ah, mais putain, j'ai pas fait péter encore. Mais je suis trop des. Ah, mais je. Pas compris. Deux fois que je. Que ouais, je fais ouais, ça. Il faut spammer. Hein. Ah non, mais j'ai oublié de. C'est pas grave, de toute façon, t'as loupé ton route, donc c'est pas le E qui aurait changé quelque chose, mais. C'est juste pour le principe. Ah, fais gaffe, ça vient de dans ton dos là. Hein. Eux, ils nous care. Hein. T'es mort. J'ai craqué, j'ai lâché le guidon. Ah non, mais t'étais mort! Mais j'ai lâché le guidon hein, sur les 5 dernières minutes. Refocus un petit peu. T'as mis une ward en plus, t'aurais pu la poser derrière toi. Ah non, mais. Mais ton Yorick se met doux après donc. Ah bon? Ah oui, bah lui personne l'emmerde depuis tout à l'heure donc. Ouais, bon, c'est pas pour ça que. Oui, c'est vrai, il a 0-4, mais bon. Oh, Renekton, la vache. Oh, le Renekton, il découpe. Hein. Fais voir? Enfin, Sunfire, petit ou tab. 5-1. Ouais, ok. Il découpe, hein. 6-1, Rise. Cool. Bonne ambiance. Alors le buff bleu de Lee Sin, il est en train de le faire là. Ouais, il a été fait avant, très bien. L'autre elle est top. T'as ton TP soon, mais bon, je vois pas pourquoi tu devrais TP dans cette merde. Ça craint un petit peu. Ah, oh, le petit deck de Renekton qui risque de lui coûter très très cher. Doublé, tu arrives. Un petit route en pré-shot. Bonjour gratos, non, tu n'y vas pas, bien entendu, c'est un Rise. T'as eu une interrupt, fais péter ton E, voilà, tranquille. Le shield. Bah, t'es stun, t'es méga stun, c'est vrai, excuse-moi. Mais voilà, la zone de snare, tu as très bien géré ta zone de snare, tu t'es sauvé toi-même. Il est encore là, mais. Ah non, putain, il va vite ce con. Mets ton E sur le flanc droit, pour être sûr qu'il s'est barré. Voilà. Et tu as ton outil dans 20 secondes. Seulement 20 secondes. Wow! Shield, E, Q-spell. Ah non, le E il était là. Non, tu l'avais récupéré. Hein. Non, c'était la zone. Et je peux pas récupérer ça en. Tu l'as fait péter? 7,6 secondes, c'est long.
Oh Dommage. Puissance. Ouais, Flame Blasting Wound, ouais. Bah là, de toute façon... Ah, de toute façon, ça fait pas grand-chose de partir sur un Zonia, là. Franchement, c'est un peu inutile. Ouais, mais là, c'est relou, là. Parce que si le support arrive à défoncer notre carré comme ça, je sais bien que c'est... Il y a Léona, il a eu raison. Il a eu raison, il a eu entièrement raison. Je peux te faire un petit TP, si tu veux, tu vas tout, et tout, mais c'est un petit peu fortuit. Alors, le 1v1, du coup... c'est Disney qui gagne, hein, donc pas de surprise à ce niveau-là. Un petit laser, peut-être. Oui, un petit laser en prévision. Ah, c'est au programme. Ouais, vas-y, fais-toi pas. Tristan, tu te défonces, effectivement. Un petit shield et tout. Bon, oh, voilà, Yorick Ramas. Ouais. Oh, Yorick Ramas, y'a pas de problème. Ouais, mais bon. Ça fait du 4v, ça fait du 4v2 au final. Tristan a fait mal. Tristana fait super. J'ai pas mal. Vu, hein. Tristana fait 6-3-6, IE. J'ai dû prendre un crit. Oui! Oui! Attaque de base. Ouais, j'ai pris 1500 d'attaque de base. Infinity Edge, Empire Receptor, Doran's Boots 32, 20 minutes. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien pour elle. Ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Bon, bah moi j'ai essayé de faire des trucs en tout cas. Oui. Bon, après, il y a tellement d'actions que niveau farm. Il y a beaucoup d'actions. Hein. Niveau farm, c'est un petit peu la catastrophe industrielle, mais. Bah, à partir du moment où j'ai TP top, c'était fini. Il n'y a plus de phase de farm, de choses comme ça. En plus, il y aurait Ikebi. Oui, voilà, c'est ça. C'est que tout le monde s'en fout maintenant, en fait. Oh, ouais, là, c'est parti. Il y avait encore son dash. Ouais. Alors, pense bien ton E. Tu peux maintenir ton E, genre tac, 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 tu vois. Hein? Tu peux spammer ton E comme un gros tard pour que ça explose instantanément. Voilà. Je suis pas masse de. Mais je te conseille de faire ça. Parce que. Ouais, du coup, tu peux TP là. C'est même un très très bon TP. Alors, le corps à corps contre Ryze, j'avais dit, on fait pas. Ouais, mais ils sont partis. Non, ils sont partis dans les bush, les mecs. Tu t'aurais dû reculer quand même. T'as beaucoup de portée, hein, n'hésite pas. Genre tu TP mais tu recules. Ouais mais là un petit c'est peu. Trop la merde contre X. Oui c'est un peu la merde. Bon t'avais ton flash et tout, 28. Hésite pas à reculer, prendre de la distance. Ouais c'est vrai. Oh la vache. Parce que là j'ai pensé que tu gères bien ta zone, ta portée. Il y a quelqu'un qui m'a fait un peu, mais pas vraiment. Ça veut pas taper. Non c'est juste en fait c'est son pet. Donc il a pas appuyé sur R en fait en attaque. T'en étais 3v5. C'était un très bon TP. Hein. Après, ce qui s'est passé, c'est... L'objectif, c'est platine, les amis. Ça a toujours été platine. Une petite phase de... Oh, ça crie d'amour. Oh, nice. Merci, petit route et le laser. Tu mets tout pour eux. Voilà, l'auto-attaque et ça suffit pas, t'es mad. Et voilà, le flash-out, bien joué. C'est relou, là. Oh, putain, c'est méga relou. Non, Gaston. Oh, jolie route. Et malheureusement, Tristana est méga, méga fine. Eh, c'est ouf, hein. Ça m'a mis beaucoup trop cher. Alors, plutôt que te faire kite par Blitzcrank, voilà. Tape Blitzcrank. C'est bien. Renekton, il était trop en HP, faut le tuer. Ça sera difficile. Mais, avec une petite ward bien plate. Il n'y a pas de ward. Alors, il va fetch check un boss, se faire stun et mourir, je pense. Il a mis une ward ici. Il y a vie dans son dos. Ah. Donc, il est dans la merde. Il est comme ça, lui. Ouais, il fait bah. Pas du tout de dégâts en fait. Non, elle fait zéro. Et elle grid en plus de ça, donc c'est parfait. Il faudrait qu'il fasse plus ça. Ouais, bah, mais. Essaye de farm toi plutôt. Ah, on va arrêter. Là, je vais farm top. Voilà. Ah, essayer de brain à travers un bush à Yorick. Attends, il y a Tristana encore. Ouais, c'est vrai. Tout le monde y va. Round numéro 3, effectivement. 4. René, ton ulti et tout dans sa gueule. Okay, double dash. Back. Le stun il est passé. Le stun il est pas passé du tout. Tu peux laserifier le petit con de Croco là. J'arrive pas encore. Non, t'as pas encore. Okay. Oh. Prends un bon angle et tout là. Et tu blind shot un peu. Attends. Attention, Biscroc. Ok, ça roule. Alors, pour le blenderifier, c'est un petit peu tard. Ouais, j'avoue. Voilà. J'allais tenter, mais bon.
Bon, tu les as dos, tu peux. Alors, en round numéro 5 maintenant. Tristan. Tristan. Ah, Léona meurt. Mort. La mort de. Voilà. Tristana, où est-elle? I don't know. C'est la merde, quand même. Je suis dans une position. Oui, dans une position de merde. Ouais, 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 tu d'accord. Tu te trappes dans le bush. Oh, Rice qui avance. Il s'est intercepté au-dessus. Non, pas du tout. Mm-hmm. Ah, voilà. Ah, si. C'était wardé, donc. Bah, t'as fait ton max, écoute. Mais je. Il se passe quoi dans cette partie? Aucune idée, mais Lysine est en meurtre en série. Pas compris comment, mais. Non, on n'aura plus de passion. Ouais, Renekton double badage soon. Non, c'est bon. Ah, si. Et après, une belle, belle trajectoire. Ah, vache. Oh, putain. Oh là là, beaucoup trop, actuellement. La vie joue pas très bien. Mais. Mais ça passe. Ouais, ça passe. Oh, c'est Renekton qui. Ah, Renekton. Ah, il découpe, hein. Ah, il a fait. Ah, il découpe vraiment. Ah, sur un nord. Ah, sur un nord. Bah, coach Chatwick, c'est là. Alors, tu peux acheter des trucs, hein. Je peux acheter ma grosse baguette. Voilà. Ça, ça va être mon relou. Alors, le laser. Le laser. 3, voilà. 2, 1. Pas de laser en prévision. Ah, si, laser. En prévision. D'accord, grosse barrière du coup. Putain, la vache. Attention, double dash et compagnie. Ah, allez, tu l'as tué le toit. Oh, il y a Rice derrière. Tu es mort. Oh, tu es mort. Ah, je pense. Non, je suis pas mort. Bon, à peu près. J'ai pas vu Rice. Oh, vous avez un trou dans votre base, mais non. Genre, ils ont foutu du C4 c'est sur les pas murs. Dans notre base, le trou, je pète des... Oh, du tout. Léona, par contre, elle manque pas de base. Non, c'est sûr. 7 levels de moins et... tout. Par contre, sur un Renekton qui claque l'ulti, c'est... pas la meilleure idée du ciel. Ouais, elle va s'en sortir. Mais par contre, elle bait bien, je trouve, dans la vache. Ouais. Rice qui a pété la tour bottom. Yorick qui continue, hein, lui il a faim, donc. Oh, il est parti dans sa game, lui. Ah, il s'en fout de Rice, très bien. Oui. Alors, 93-16, 25 minutes. Oh. C'est pas assez. Non. Non, il manque un peu. C'est bien, ouais. Allez, go là. T'es chaud du. Non, non, t'es chaud. Cette game n'a absolument aucun sens. On est d'accord. Et non, on va la lose. Quel top farm? Je pense que c'est Renekton. 176 CS. Alors, la lose, non, c'est pas dit. Enfin, c'est vrai qu'ils ont un meilleur late. Hein. Genre. Enfin, Tristana a un très bon late. Ryze a un très bon late. Mais Lux a un très bon late aussi. Ainsi que Léona. Ainsi que Yorick. Donc, du coup, ainsi que Caitlyn. Ainsi que. Il y a juste la zone de snare et pour. Je te laisse sauver. Ah non. T'aurais pu tenter en route en réflexe. Oh là là là. Ah, t'as touché l'autre aussi. Ah, le grab, c'est bon, il est dodge. Le stun, il est passé, mais tu la route. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Le laser en poids. BAM! Voilà, qu'est-ce qui se passe? Double dash. Ulti de Caitlyn, il ne m'a plus pas. Allez, ulti! Tristana derrière. Tristana est derrière actuellement, on l'a tous vu. Rise. Tu peux route là. Tu peux route 100 fois. Voilà. Oula, oula! Putain, c'est stéroïde, la vache, route la route. Oh merde! C'est dommage, hein! C'est Mousover? C'est le Smartcast? Ouais, enfin, c'est GMRD, quoi! Ouais, c'est jamais facile de lancer un skill shot quand t'es obligé d'avoir ta souris contre toi. Et quand t'es sur une. Quand t'es sur une mauvaise game aussi, donc tu. C'est l'effet, ça snowball. 5-11-11, je mérite pas. Putain, je peux vous dire que sur cette game, je mérite pas les 11 morts. T'as un Rabadoun? J'ai pas Rabadoun. 840. J'ai pas de problème avec les skillshots. Alors, Tristana qui saute sur Léona Lysine. C'est vraiment à 100 000. Et à 2 morts. Au fait, bah ouais, au final. Elle aurait pu sauter. Elle aurait pu sauter. Fait un peu de la merde. Ils sont peut-être en train de la trouver. Hein. Je pense pas. Mais... En late, Lux, c'est très fort. Très très fort. Léona aussi, Yorick aussi. Mais bon, ton late actuellement, ce sera pas la 30ème. Hein. Ce sera plutôt la 40ème et. J'ai pas ramassé un cri. Voire plus que ça même. Hein. On peut essayer de l'intercept. En fait, c'est parti. Waouh, Renekton! Renekton sauvage à pas. Oh merde! Oh, mais non, c'est dur! C'est dur parce que la cage, je l'ai manqué.
Et maintenant, il tanque tout le monde. 4200 HP. Oh là là. Non, mais c'est dur, quoi. Il tanque 10 secondes et il one-shot. Enfin, on n'aurait pas dû faire Lux. Mais pourquoi? Ça s'est bien passé. Trop de skill shot. Mais c'est pas du tout ça, mon gars. Ça s'est pas mal passé au niveau des skill shot. Si, un peu. Non, tu dis des bêtises. Non, c'est un peu mal passé. Non, au niveau des skill shot, j'en ai pas manqué beaucoup. Et ils étaient pas importants. Genre celui-là, tu vas me dire qu'il était important à 22-46? Oui, non, arrête, arrête. Tu serais sauvé. Et alors, ça aurait fait 22-47 deux minutes plus tard. Bah, c'est, on s'en fout de win la game. Ah. C'est le truc, faut jouer, quoi. Ouais. Oh, t'en as oublié pas mal. Là, par contre, ouais. Oui, ils sont devant le Nexus. Donc, oui, effectivement. Mais bon, c'est bien de se dire, j'ai pas loupé. Ouais, bah ouais. Bah, ouais. Bah regarde, t'as eu l'assist sur Nexus. Bah ouais, j'ai eu l'assist. Regarde. Rien du tout. Un 25ème d'HP. Regarde-moi ça. Enfin, regarde son stuff, c'est marrant. Qui? Oh là là, regarde le stuff de Kajik. Je te jure, c'est drôle. Il est quasiment 6 lock. Il a le mur à mana, il a bien. T'es en train de me coacher sur une game où les mecs sont 6 slots. Oh. Mais justement. Mais justement. Bah, c'est le mode hardcore. la moindre erreur, tu die. Rabadon pour Yorick, il a vendu. Je sais pas si vous avez vu, mais... Ouais, il troll, hein, Yorick. Il a vendu. Il a tout vendu, il va faire des bots. Il a fait, je me mobilise. Les skill shots, j'en ai pas manqué beaucoup, l'Edge 2013. J'en ai pas manqué beaucoup. Regardez, celui-là. Non mais attends, attends, mais je suis d'accord qu'il est pas important. Oh, mais bon, c'est toujours... J'ai peur. Tiens, celui-là, je l'ai manqué. Ah, tu l'as pas manqué. Celui-là. Ah, je l'ai pas manqué, celui-là. Hein. Ah, celui-là, tu l'as pas manqué. Ah, celui-là, bon, il y avait Mascrip. Ah oui, non mais... poser un route dans Mascrip, c'est la mort. Hein. Tout ça peut être ça. Ah bah voilà. Eh, qui c'est qui a eu l'interruption? Juste Bibi. Bon, par contre, on s'est fait un peu push là. Oui. Et je conseille pas d'avancer comme ça. Ça pue. T'inquiète. Là, je pense que Ryze te tue en deux sorts. Tout de même. Mais je suis pas sûr. Tu voudras test? Non, mais je pense. Je pense qu'il te met 900 de dégâts en deux sorts. Je pense, sincèrement. Ça fait beaucoup, hein. En un seul sort, c'est chaud, mais en deux sorts, oui. On va refaire une grosse baguette. Hein. À moins qu'il y ait un bulwark en face, mais je pense qu'ils sont tous partis sur Infinity Edge là, à ce moment-là. Donc je pense pas qu'il y ait de. La jungle, on va éviter. Ouais, peut-être. Non, mais Nashor. Ils sont en train de faire Nashor. Donc je me dis. À l'aveugle, comme ça peut le faire. Ouais. Ça sera super classe. Ah oui. Alors regarde Renekton, parce qu'il était low life quand même. Oh, tu le tues pas malheureusement, mais si il regonne à short, tu peux le tuer. Maybe. Oh. Ah, je savais qu'il allait faire ça. Attends, t'as pas fait péter ton merde. Dommage. Ah, mais c'est bon, t'as fait. Ouais, c'est bon, ouais. Il a bien joué, Rémi. Ouais, c'est bon. Ouais, mais. Je me suis dit, je vais pas pouvoir le kill comme ça et non. Ton E encore, hein, c'est... Ah du coup, ouais. C'est chiant d'avoir un skill shot comme ça qui se déclenche après une deuxième activation. Un peu, parce que t'as que des skill shots. T'as que des skill shots, mais faut pas oublier le dernier. J'en aurais loupé, ça je suis d'accord. Le Renek qui passe de l'autre côté, c'est le comeback, vous disiez, sur RC, je suis pas sûr. Ah non, la game est perdue depuis très longtemps. Ah ouais. Bah depuis Ryze, depuis qu'ils ont un tank feed et un DPS feed. Depuis que Ryze, quoi, il a rien fait, Ryze. Non, mais il a été au shop, donc ça suffit. Mais... Ouais, non, mais il a des items parce que le mec, il a rien fait, mec. Ah bon? Je l'ai pas vu dans des situations de ouf ou quoi. Ah non, il l'a ramassé. Ah. Mais bon. Ça fait partie du jeu, quoi. Ah bon, bah voilà, bah GG. Ah, GG, ne pas attendre les stats, les amis. Petit souci. Eh bien, ça fera un 0. Ça fera 0-1 pour ce LCBT, pour ce premier match de promotion. On était bien parti avec deux victoires. On était positif, on était confiant. Vous étiez d'ailleurs super confiant sur IRC. Vous aviez envoyé masse SMS.
pour dire que vous étiez confiant à propos de ces matchs de promotion, goal de 5. Mais... ça se passait bien au début. Hein. Ouais. Le TP top, il t'a mis doux. L'action bot lane, c'était bien. Un double kill middle pour Lee Sin, un double kill top pour toi. Ben ouais, c'est parti en couille. Je sais pas à quel moment exactement. Je pense que le Renekton a pris trop de kills. C'est parti au moment où Vi a été dive bottom lane. C'est parti à ce moment-là. À partir de là, c'était à genre la 17ème. À partir de ce moment-là, plus personne n'a quitté la bot lane jusqu'à la 30ème. Genre, c'était genre, on vient de mourir, je reviens, je meurs, je reviens, je meurs, je reviens, je remeurs. Il a pas faux. Oui, donc vous avez fait une rotation. Alors, elle était bien faite, hein, par contre. Et il y avait Yorick au top et Renekton en bot. Il y avait Yorick au top qui était à 0,4, 80 CS, seul. Et il pochait. Oui, il pêchait. Alors, mais en 5v4, on a dit... Pêcher, c'est mieux quand on prend l'élastite. Pensez-y, parce que sinon, alors c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais c'est pas aussi rentable que prévu. Mais ça fait que casser des tours, après. Après, les tours, on n'aime pas forcément ça. Les tours, c'est chiant, on est d'accord. Mais si on prend pas de CS quand on push, c'est relou. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est relou. Je suis d'accord. Bon, allez, on fait une petite page de publicité et on se redirige encore une fois pour une nouvelle partie. Le sondage sera très court cette fois-ci, donc dépêchez-vous en dessous du lecteur sur minium.org. Venez voter, les amis. Page publicité, on revient dans quelques instants. Et bien sûr, encore une fois, un nouveau champion. Qu'est-ce qu'il y aura après? Bon, on ne sait pas. On va voir. A tout de suite. Allez, on revient dans le LCBT. Petit tour en plateau pour vous annoncer tout de même le rôle que vous allez choisir. Et nous avons une nouvelle lane, la top lane, mon cher Twix. Oh, tu te sens chaud en top lane? Oui, on va réfléchir un petit peu. Alors, t'es combien de piques? Je suis 3ème pique de ma partie, troisième, puisque nous sommes déjà dans une game, mes amis. Rapidité, réactivité, c'est la meilleure team. C'est mieux que first pick, on va dire. Alors, Renekton, on l'a fait plusieurs fois. Mm-hmm, oui, d'accord. On a un Jax, ça s'était pas bien passé la première fois qu'on avait fait Jax dans un. Et le Jace, on le fait depuis un bon moment. Je pense que c'est bon maintenant. J'ai compris, je ne suis pas fort, mais j'ai compris. On a Z, mais le problème c'est qu'il y a une Kayle en face. Donc on évite de prendre Z quand il y a une Kayle. Un Singe, un Udyr top. C'est ballsy. Ah, je sais pas. C'est ballsy. Parce que si tu prends un Udyr top, il prend une Jhin en face, c'est GG. Hein. Diana, on l'a pas. Un grand plan qui a été pris en plus. Grand plan qui a été pris. Il va bouillir. Alors nous avons déjà un support. Donc c'est très bien. C'est une bonne nouvelle ça. Oh, Draven Panthéon. Très mauvaise nouvelle. Draven Panthéon maintenant. Je suppose qu'il va mid. Hein. Donc du coup, si on a un Panthéon, il va falloir tanker. Un Wukong, ça te plairait pas? J'ai dit, il va falloir tanker. Ouais, bon. Bah alors un. Un Mundo top. Je réfléchis. Varus, non, Singe de... Varus en top lane, c'est ballsy. Ouais, Singe, ça pourrait le faire. Udyr, je te le disais tout à l'heure. Ouais, le problème avec Udyr, c'est que ça hard push et tout, mais... Alors, soit on joue Udyr Phoenix, soit on joue Udyr Tiger.
Après, mais je sais pas. C'est risqué. On va voir qu'est-ce qu'il y a en face. C'est risqué. Hein, il y a un Nasus. Putain de risqué. Hein. Peut-être en jungle en face. On peut faire. Bon, là, le pick opti, ce serait de prendre Renekton. C'est clair, net, précis, clean, il n'y a pas de problème. Mais. Singe, ça passerait plutôt bien. On se fait un petit Singe. Est-ce que vous êtes chaud sur le Singe sur IRC? Parce que ça parle pas trop depuis tout à l'heure. Singe, c'est sympa, ça met du poison, ça flip-flap. Chaudac, ça lui serait bien aussi. Mais Singe, ce serait cool. Singe, ouais, ah non, Singe, personne n'est chaud pour Singe. Un Cho'Gath? Un Teemo? Non, mais pas Teemo. On va arrêter les bêtises de ce moment. Darius? Cho'Gath, Darius? Cho'Gath, Singe ou Renekton. Voilà, point bas. Il n'y a pas d'autre chose. Un petit chouchou. Alors, faut arrêter avec Teemo. Hein. C'est pas parce que Soaz a battu Wicked sur la top lane. Alors, déjà, il s'est fait défoncer avec son Teemo, d'une part. Et d'autre part, c'était du 1v1, quoi, stop. Ce n'est pas League of Legends. Ce n'est pas League of Legends, effectivement. Niveau des runes, niveau des masteries, j'ai des trucs un peu ballsés, moi, avec mes chouchous. On va attendre de voir le match-up, déjà. Parce que moi, généralement, donc, je vais te dire ça tout de suite, qu'est-ce que je prends? Je prends la page 14-16. Ça, c'est en jungle, généralement, pour être tout à fait franc avec toi. Je prends donc la pénétration d'armure et la pénétration magique sur Chouchou avec les 16 points jusqu'au c'est monstre. Loin d'être idiot dans le principe, mais l'aspect peine suffit. Parce qu'on a les spikes et. Et les spikes, j'ai deux rangs de E, tu vois, dans ma jungle. Oui. Comme ça, je fais un peu plus mal. Ah, mais généralement, dans la jungle, on max le E. Ouais, pas max. Si, parce que... Ah ouais, ouais? Parce que j'ai fait que max le E dans ma dernière game avec Cho'Gath, ça c'était plutôt pas mal passé, mais bon. Donc, du coup, bien. Qu'est-ce qu'on fait? Un 21-9 machin. Bah, on regarde le match-up en fait. On regarde le match-up. On a l'avantage de Renekton. Ok, bah. Soit on part Deep AP et Ozef, soit on part méga tanky et on est intuable. A toi de voir. Ok, alors je vais me dépêcher. Est-ce que tu veux partir AP ou tanky? Non, AP. AP, ok. AP. Donc on prend ça, l'armure, voilà, et un point dans. Très bien. L'Ignite, Amelio. C'est mieux. Ok, GG. Hop, on garde Ignite avec Cho'Gath. Attends, et je fais quoi là? AP classique, AP l'armure. Classique, armure. Voilà, okay. Nickel. Eh, GG. Ok. GG au niveau de je prends tel ou tel. Ah, c'est Nidalee ou une quel support? Eh, marrant ça, tout de même. Nidalee ou quel support? C'est intéressant. On est à 0, hein, mon cher Twix, dans mes matchs de promotion. Ah, Cho'Gath, ça va, ça compte tes cornes. Ouais. On a pris un gros pick. On a fait exprès. On a pris un gros pick. Cho'Gath. Confiant. Confiant avec Cho'Gath. Alors t'es contre un... Non, t'es pas contre un français. Qu'est-ce qui se passe? Chouchou. Chouchou, ouais. Il y a Fume des Tomates qui sera donc en supporting avec Nidalee. Donc Fume des Tomates, hein, qui est un Norvégien qu'on connaît bien, qui a participé à plusieurs championnats, plusieurs tournois. Il avait été donc dans l'équipe B de Copenhagen Wolves, qui s'appelle donc Copenhagen Turtles, qui est donc une petite... Ouais, un peu, là, c'est bon. Bon, donc du coup, la game, Renekton top lane, Nidalee supporting, un Exhaust, Nasus dans la jungle, Jagged. T'as vu, j'ai nettoyé l'écran. Ouais, c'est pour ça, c'est encore un peu crade. Gullion, Caitlyn, Kayle en mid lane, avec un pseudonyme un petit peu espagnol, j'ai l'impression. Gullion et Jagglion, ça veut dire duo Q? Peut-être. Parce qu'ils ont. Cabeza de Gaeta, Gullion, ça sonne un peu spanish et tout. Trio Q, peut-être. Maybe, je sais pas trop. Stylé le t-shirt Twix. Il est old. Il est old. Ça fait un an. Mais si vous voulez retrouver ce t-shirt, bien sûr, c'est sur le Millennium Store. Sur la homepage de votre page web millennium.org, vous avez un onglet store en orange. Vous ne pouvez pas le louper. Il suffit de cliquer dessus, de faire votre commande et vous serez livré sous 4 jours ouvrés, mesdames et messieurs, pour avoir des t-shirts aussi beaux que ceci. On ne livre ni en Corse ni en Dumpton. Alors, à propos du Millennium Store, justement, si vous avez décidé d'acheter un PC sur Millennium, alors déjà, on vous les conseille parce qu'ils sont bien. Deux, n'achetez pas maintenant. Voilà, je vous dis directement, on vous en parlera. Oui, n'achetez pas de PC. Genre, si vous avez envie d'acheter un PC dans 2 jours, achetez-le dans 4 jours, on vous expliquera pourquoi. On vous expliquera. Attendez-nous. Attendez-nous. Faites-nous plaisir. Attendez-nous. La game va bientôt commencer. 89% pour KeyWow. Nous avons 100% pour tout le monde. C'est non, donc on attend, hein, évidemment. Pas encore, c'est un scandale, nous dit Rams. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vendez pas pour les Corses. On a trop peur. Bien sûr. Tu te rends compte, ils arriveraient à déceler une petite faille dans la fabrication du t-shirt et pourraient nous exploser la baraque. Ce serait un petit peu relou. Allez, on est dans la game. On est dans la game. Allez, boum, boum, chouchou. Alors, on est contre un Renekton, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ça? Je sais pas,
C'est quoi ton jungler? Je peux faire Don Nashor. Non, tu feras pas Don Nashor. Mais si, je fais Don Nashor, c'est trop fort, Don Nashor. Tu m'attaques plus vite avec les crocs. En jungle, je fais ça. Hop, le E, et tu fais Don Nashor. Truc du lézard, là. Mes couilles, ça slow. Ouais. Alors, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Soit on fait une fiole Warpot, soit on fait bouquin AP Pot. Pour rusher le protège-poignée du savant. Soit comme on fait veux. Armure 5 pot. Comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux, j'ai déjà présélectionné le truc que je veux. Allez, vas-y, go. Vas-y, go. Vas-y, go. Tu sais que ça va fail. Non, ça va, oui, je pense. Je pense ça va. Vous pouvez faire des races, par contre, ce serait cool. Ouais. Avec ton bump et tout. Oh putain, une idée. Okay. Ouais. Hey, go, Boris. You got the perfect invective. Ils ont raison. T'as pris le Q-spell, c'est très bien. Hop, hop, hop. Alors, le truc, c'est que de ce côté-là, logiquement, ça commence au red buff. Ouais, mais voilà. Oh bah, Nasus, y'a pas de flash. Oh, c'est pas possible ça. Bah, t'as pas une assist! C'est pas possible! À 0, non. Oh, mais ça commence déjà! J'ai pas ma pote 2 plus! Fini race! Bah, ils vont pas me laisser. Ah, prends l'XP! J'ai dit prends l'XP, t'avais juste à rester à côté, lui prends pas son creep. J'ai pas eu l'assist. Il a son XP, tout il a son XP. Il a eu ses golds. Il a eu ses golds. Moi je vois les miens aussi. Ouais, moi et tu l'aides même pas et tout. Ah non, no care. Non, mais oh. NP. Ah, il a combien de récits magiques? 45, 7 potions, une pink, une ward. Mais wesh, on n'est pas en LCS là, faut arrêter de déconner. Oh! On a un gueule le de mec, il sort des starts, genre, c'est même pas ta fiole, là, c'est tata yo-yo, directement. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. On prend le Z après. Et on go direct. Tu pètes la gueule. Ouais, là, on va go. Alors, c'est toujours pas passé. Potion, bien sûr. Alors, tu lui mets un Q-spell, il est mort. Okay. Seulement, tu attends d'avoir ton silence. Alors, j'ai dit, tu attends d'avoir ton silence. Ouais, mais. Là, du coup, t'as plus assez de malade du tout. Ouais. Donc, tu mets un Z pour push et tu te casses. Non, mauvaise idée. Bad idée. Ouais, mais il a pas le E. Il a pas le E, mais bad idée quand même. Ça force ton back, mais bon. Ouais, c'est relou, là. Bah, on va prendre une armure et puis on va revenir. Hein. On peut pas prendre ça? Non, tu prends pas ça. Tu m'as pas écouté, donc voilà. J'aime autant te dire que t'en payes les conséquences. Tu m'as pas écouté de quoi? Je t'ai dit, attends d'avoir ton silence. Je l'avais. Tu l'avais avec pas. Le BEM, ça aurait non, passé. Non, tu l'avais pas. Ça serait passé. Tu l'avais pas. Je te dis, tu l'avais pas. Tu fais que spell, silence, ignite, c'était réglé. Fin de l'histoire, fin du match. On est à 1-1 en match de promotion. La vie continue. Et là, c'est la merde. Non, là, ça va aller. Non, ça va aller. Mais là, il va back. Du coup, toi, t'as back après. Non, on va faire que ça durant toute la top lane. Voilà, tu m'en occupes pas. Tu prends ton E, hein, bien sûr, parce que c'est relou de la stit avec deux attaques normales. Tu fais une autre wave où tu la ra. Oh, bah, donc, là, tu... Ah, là, je suis dedans. Essaie de régène plutôt. Ta mana, en fait. Ou limite, tu push un peu, tu mets des petits coups de silence tranquillement. Alors, tu sais ce qui se passe avec ouais, ton barre rouge, danger, pas barre rouge, sécurité. Un trait, danger, deux traits, sécurité. Oh là là. Mais il est complètement pété ton truc là. Volibear no stress. Ah, le lacidique l'a piqué, sinon tu survivais. Oh l'enfoiré. Tu penses que c'est pour les Vrace hein? Ah non, je pense qu'il savait pas du tout. Je pense qu'il sait même pas ce que c'est le passif de parce chemin. Que moi j'étais là. Lost it, please. Oh là là, il t'a tué. Mais bon, on bonne nouvelle. Ça? Oui, fais ça. Au mieux. T'as toujours ton flash, donc bonne nouvelle. Non, ouais, moi je suis. Bon, dans ma tête ça va. Oh l'enfoiré. Vengeance du volier. GG volier. Non, c'est pas une vengeance, je pense qu'il. Mec, je pense qu'il est au-dessus de ça. Mais bon, très bonne nouvelle. Non, c'est bon. Ah, mauvaise nouvelle, t'as pas eu le kill. Ouais. Mauvaise nouvelle, rien que toi a eu le kill. Donc, que des mauvaises nouvelles en fait.
C'est la merde. Bah, la bonne nouvelle, c'est que j'ai mon protège-bras. Oui, mauvaise nouvelle, c'est qu'il part pas en mode tapette. Donc, alors, mauvaise nouvelle, Shogat et non, Nasus c'est dans le compte. Ouais. J'arrête avec mauvaise nouvelle. Non, mais voilà, ça va pour le moment. T'as encore ton flash, donc ça devrait le faire normalement. Vache. Oh, mais. Oui, donc si tu veux mettre ton stun, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le mettre pendant. Alors. Barre rouge. Ouais, ouais, c'est la merde. Alors, ton stun, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre pendant qu'il est silence. Comme ça, il va passer. Et ce sera mieux. C'est pas idiot. Bon, après ça, on va faire un. Ouais, on va faire un calice. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va faire un calice. Alors, deux traits, barre rouge, danger. Du coup, on comprend pourquoi. Ça m'a mis un peu la Alors, chance. Il push, donc, no stress. Tu vas à la City Under Tower, tu vas en gêne, ça va bien se passer. Il a des popos encore, il y a encore une popo. Bien sûr qu'il y a des popos. De toute façon, il y a celui aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, tant que t'as l'occasion, essaie de la City en dehors de tes spells. Tant que t'as l'occasion, j'ai dit. D'accord, pas de bêtises et tout. Bon, le canon serait dommage de le louper. Voilà, un petit coup de trampoline, c'est gratos. 1, 2, il est level 6, donc niveau dive c'est danger, grave. Et je pense que si Nasus est bon, bah il devrait être dans le coin en fait. Hein. Tout simplement. Peut-être qu'il est pas dans le coin. Alors, je me permets de me lever parce qu'il fait terriblement chaud au studio. Ah, t'as chaud ? Oui. Ah, c'est pour ça ? Oui, c'est relou. Voilà, on va se mettre un petit peu plus d'aérateur, on va nous engueuler après si on fait pas ça. C'est pas faux. Oh, il fait trop chaud! Bon, là, on a le nom. Alors, tu vas pas le claquer parce qu'il y a Volibear pas loin. Donc, et du coup, on se dit, bon. Autant le garder, quoi. Alors, tu mets pas ton full combo sinon t'auras pas assez de mana pour le nom et tout, ça va être relou. Alors, tu croques. Tu... Bon, il a plus de spell au moins. Alors, tu le croques et tu te casses. Bon, bah, c'est bon. Bon, ben, oh bah feed son jungler, c'est une bonne strat hein. Quand c'est volu, c'est bien. Bah c'est volé et c'est volu aussi. Donc c'est... non, aucun problème. Jusqu'ici la game se passe bien. Alors ça c'est emmerdant par contre. Alors pas de panique, tu devrais pouvoir t'en sortir logiquement. Si tu vas tout droit. Ah non, ok, tu es mort. Il a pas son E tiens, c'est curieux. Ah si. Bon. Un peu déçu. Renekton n'a pas eu l'assist. C'est déjà bien, il a pas eu l'assist. On fait le Kalis ou on fait un Catalyst? Comme tu veux, écoute. Kalis, c'est bien, ça fait de la CDR. Eh ben écoute. J'ai dit. Kalis, c'est bien, ça fait de la CDR, donc j'achète un Crystal HP. Voilà, on fait Catalyst. Donc le truc bien, on le prend, on le met là, et on fait l'autre truc. Directement, voilà. On fait l'autre. On se met bien. Ça c'est bien, mais je fais l'autre. On se met bien. Donc on ne sera pas utile avant 25 minutes longtemps, de jeu. Très longtemps. Mais on se met bien. Et on va jouer sans CDR aussi. Ouais, mais ça... On va faire un Morello. Mais c'est pas idiot, tu vas faire un cœur gelé après. On va faire un Morello. On va faire un mois. Non, tu vas faire un cœur gelé. Cœur gelé, c'est bien là, dans ce qu'on fait. Ne t'inquiète pas. Oh là, alors là, t'as envie de mettre des sorts partout là. Ouais, alors là, mon gars. Ouais, il y a le masque crypt qui t'as envie de crier fort avec tous les cryptons. Là. Oh, tu vas te faire plaisir entre la tour. T'as hâte. T'arrives pas à broder, tiens. T'arrives pas à broder. Ah ça fait du bien. Ah bah ouais. Ah bah ça dépêche bien, Chocho. Ça, ça a toujours été une preuve de sécurité, Chocho. Niveau du dépush. Ouais. En plus, il part squishy, Renekton, donc c'est bien, c'est très très bien pour toi. Oui, bien sûr. Bah non, c'est nickel. Oui, non, mais c'est bien. Non, mais il n'y avait pas de. Bah, prochain Crocro, tu peux le tuer. Voilà. Après, t'évites de le trade, bien sûr. Allez, on peut pas faire le double dash. Ah bah non, bah alors, Nasus est pas là, donc c'est bon. Ouais, il est bot lane. Est-ce qu'il a son ulti? Oui, il a toujours son ulti, je pense. Alors, est-ce qu'il va trail? Est-ce qu'il va avoir les boules de trail? Ah, bah, effectivement.
que je back. Oui, on fait des relais comme ça. Oui, c'est bien, comme ça il on prend. On vient, on push tout, on repart. Pas con. Pas con. Alors, non, back. Croc avant et back. C'est mieux. Ouais. D'accord. Bon, tant qu'à faire. Non, celui-là était relou. Il avait dit des trucs sur la mer. Tant qu'à faire, on fait la wave aussi. Oui. Ah, il prend la race, hein, le petit. Tout de même, hein. Voilà. Il nous manque un peu de mana. Hey, Shoga tapé, c'est très très fort. Ah, ça, on est d'accord. Super fort. J'adore. Et puis, c'est vraiment un game changer, je trouve. Un stun qui passe bien, sous une tower. Le problème, c'est le late. Ah ouais. En late, ça pue. Oui, des bots. Une ward aussi, tant qu'à faire. Hein. La première, première ward top lane, 11 minutes. Là, nous, on n'est pas au LCS. Non, on n'est pas au LCS. Est-ce que ça lag? Apparemment, ça lag. Alors, nous, on n'a pas de drop de notre côté, donc ça se passe bien. Je vais regarder. Alors, on a zéro drop ici. Hein. Évidemment, ce n'est pas numéricable. Père. On n'a pas de drop, c'est pas une numérique câble. Je vois beaucoup trop de trailers pour Défiance et ça m'énerve. Alors, Défiance, c'est un jeu qui ne parle pas de League of Legends. C'est quoi la musique dans ce. Pardon. Parce que la musique, tu sais, j'ai toujours pas trouvé. Hein. Ah non, mais. Oublie. Ah, le truc se lance pas. Ouais, t'inquiète. C'est géré. Ah, live perdu, connexion. Pas de live. T'es, ça sert à rien de faire la roulotte, mon gars. C'est chocho et. Il est là, il fait ce qu'il veut. Ouais, et puis il y avait un proc catalyst aussi. Et ça aide bien. Ça aide bien. Alors on crie fort, et là on fait le trampoline, et là on met rien du tout. On met rien, c'est bon, c'est bien passé. Ça se passe bien. Oh! Alors, on va essayer de lui mettre un coup de trampoline, auquel il s'attend pas. Alors, on est mort actuellement, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on claque du summoner? On n'en claque pas? Je pense que ça suffira. Oui, ça suffira. Alors effectivement, ça là, il est mort. J'avais pas vu, Chouchou. Non, je l'ai pas vu non plus. Comment se fait-il? Pourquoi faire? Ah non, c'est revenu, ça lag plus. Ça lagman. Ah si, ça lag à mort. Ça lagman. Oh ouais, ça lagman à mort. Genre, il y a des freezes de 5 secondes. Merde. Bon, t'attends, top tombe, ouais. Mais c'est pas grave. Okay. C'est une bonne nouvelle. Très bien. 0-3-2, c'est bon. Tu sais qu'on me le reproche souvent que je dis ça. Alors, me je peux défoncer, mais c'est pas grave. Je sais pas, c'est être positif. Qu'est-ce que je prends comme. Bah, tu prends rien du tout. Tu prends des consommables et puis tu retournes, tout simplement. Car le consommable le moins cher que tu pourrais prendre, c'est 750 gold. Il n'y a pas assez. Le non-consommable. Le non-consommable, ouais, c'est ça. 750 gold, pote de pénétration magique. C'est ça? C'est exactement ça, même. Hein. Alors, fais des creeps avant les golems. Ah ouais, je regardais juste si. S'ils les faisaient. Ils n'aiment pas une embrouille. Alors, on nom-nom. Attends. Je vais nom-nom ça. L'autre. C'est relou. C'est quoi, tu perds du temps? Oui, mais ils sont relous, ça. Alors, 1000 de dégâts. Pas assez. C'est assez. Oh bien. Ah bah, c'est con, tu viens de croquer un truc alors qu'il y a deux mecs à côté. C'est pas grave, ça me fait plus d'HP. Certes. Ah, t'as pris un élixir. Oui, parce que je... Oh, la confiance. Ah, ils font... Oh! Et le petit stun qui sauve la situation. Un petit ignite, peut-être. Une petite auto-attaque, un petit flash out. Voilà, okay. C'est propre ça. J'ai toujours mon élixir. Alors sous la tour, c'est bien parce qu'il n'a pas de double dash. Ah ouais. Élixir. Ça marche pas quand on est stun. Parce que quand t'es stun, tu peux pas boire. C'est trop relou. Alors, non, c'est dans l'autre sens qu'il fait. Dommage. Non, il a voulu tenter quelque chose. Panthéon, il était mid lane. Qu'est-ce qu'il fait? Il se balade. Il ouais. A sa lance. Actuellement, ça lance. C'est dommage, t'avais. Ouais, il n'y a rien. Un élixir, quoi. Il était bien acheté, cet élixir. Il était bien acheté, mais il n'a pas été bien bu. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est une technique d'Orcani. D'Orcani. Ouais. T'étais sur ce serveur-là, sur Dark Age of Camelot? Ouais, l'Orcani. Ouais, level 9 contre level 11, mid lane. Non, bah, ça se passe pas top. Parfois le tanky physique, donc ça va le faire, je pense. C'est pas grave. On va nom-nom.
Nom. C'est pas grave. Ça lag, c'est pas grave. C'est une bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Hop. C'est bizarre parce que tes stats sont nuls, mais je te sens bien dans la game en fait. C'est trop bien. Moi normalement, je suis à moins bien là. Ah, ça accélère. On stream pour rien. Ah ouais? Ouais, regarde. C'est cool. Effectivement, je comprends pas trop. Moi non plus. Ouais, je prends des informations. Est-ce que tu peux prendre des informations toi aussi? Oui, je peux faire ça, ouais. Vas-y, ouais, prends les infos. Ah, le live est revenu. Go, Panthéon. Oh, mais merde, Panthéon. Skype n'est plus installé sur ce PC, donc je ne peux pas prendre. Ah, effectivement. Donc, Skype qui a un... Ah, c'est revenu, c'est bon. Skype qui a un virus. Si vous ne connaissez pas, Skype.exe ne jamais lancer. C'est bon, le live fonctionne très très bien. Ok, pas de problème. Alors, donc on en est où du coup? C'est la merde. Okay. Draven met la sauce hein, dans cette game. Croc croc. Ouais, c'est bon. Doublé de Nasus. Nasus va mourir, donc c'est plutôt bien. Pas de problème. Middle, bah tu vas des push hein, du coup. Oui, je vais des push. Ah, imbattable, ok. Oui, on va des push. Un Q-spell, un Z, on n'en parle plus. Ça décale sur Volibear. Vache. Alors ça, c'est le trap de la Kayle. C'est ce qui lui est arrivé? Non. C'est très simple. Son E a fade et elle a clic droit pour... Ah deux. Oui, je vois. Il est allé, regarde à droite. Ça devrait aller, non? C'est relou. Hein. Allez, Volibear, à quatre pattes, go. T'aurais dû redire. Ouais, il la chope, c'est bon. Hop là. On va retourner. Attends, nom dans 7 secondes. Ok, vite de faire tout le camp. Oui. T'as trop vite. 1100, pas assez. 1041, pas assez. C'est assez. Voilà. Il va push. Très bien. Ouais, très bien. Super. Alors, qui fait lequel build il nous fait? Brutalizer Sunfire. Il a fait que tu l'as quand même forcé à rusher les Mercury. Ça veut dire qu'il te considère comme une menace. Ce qui est une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que je suis une menace. Oui, une... Dans la vie courante, on me le dit souvent. Ton séculaire, 1007, je crois, c'est ça? Ouais, il ne manque plus beaucoup. Bon, c'est trop vite là, c'est pas fait. Oui. Oh, mais ouais, ils vont plus. Ah bah, on déconne pas, hein. Oh, oh. Putain. Le Drake, alors, faudrait que je m'y... Alors, si votre style ne marche pas, essayez de faire un contrôle F5 à F5, bien sûr. Et parce que pour moi le retour marche nickel. Oh middle. Ah, Panthéon passe une très mauvaise partie. Apparemment. Alors, on va aller directement dans le fight en bas, en mettant sa caméra dessus. Voilà, parce qu'il y a Kayle qui va arriver, on n'y va pas du tout. On va essayer de pusher middle. En croquant. Voilà, comme ça on est bien relou. Ça c'est bien. C'est bien ce que tu fais. Bah ouais. Prends ton élixir, tiens, tu t'apprends plus fort. Bah, il est. J'ai pris mon élixir, je tape plus fort. Tu tapes beaucoup plus fort. Il y a Caitlyn qui arrive. Non, Caitlyn est sur le... Bon, bah tu finis ça. Oh ouais, et puis je vais peut-être commencer celle top lane. Parce qu'il y a les creeps qui y vont. Ouais. Alors finis à tour, hein, c'est ton objectif quand même. Voilà, un petit coup ici, et on retourne top. Ah, peut-être un petit buff bleu ramassé, on va poser la ward au buff bleu. Tranquillement. Rien à prendre. On pose la droite quand même. Alors, plus vers là. Voilà. Plus vers là. Que sinon, ça sert à rien. Il n'y a pas une position de ouf pour les wards sur les bush parce que moi, des fois, je. Non, ça dépend de ce que tu veux savoir. Alors, on va aller voir ce qui se passe ici. Bon, c'est bon. Aucun souci. Non, ça. Il est en train de freeze pour. Ah non, il est en train de stacker ça. Alors, regarde en dessous ce qui se passe. Ouais, il se passe de la merde. C'est important de savoir ça, regarde. Voilà, c'est mort. C'est pas cool. Nasus peut tanker les creeps apparemment jusqu'à la fin de l'étendue. Il m'a soufflé. Tu tournes là depuis tout à l'heure. Il m'a soufflé, je vois. T'as ton séculaire, donc. Autant back. Je vais acheter mes bottes de pénétration magique, peut-être même. Ouais. Ou alors mon Zonia, je. Moi j'ai acheté. Hein. Ouais, plutôt bot, ouais. Je suis plutôt bot, ouais. Ouais, c'est pas trop mal. L'aspect pen, tout ça.
Après, c'est pas super supra utile sur Shogat pour son beurre, parce que bon, son beurre ça reste du trou dommage. Hein. On va dire que c'est pas game changer. Hein. C'est toujours cool. Allez, un petit grab. Non, le grab il a déjà mis, il est dans le vent, ça se retourne plein dans leur gueule. Oh, pauvre, pauvre de lui. Oh, pas mal de coups de trampoline là. Ça reste dessus. Petit silence pour tout le monde là. Voilà. Petit midnight croquage sur lequel. Petit flash out. Très très bonne petite trèche. Attention, dashing de chaud. De chaud gagné. Oh, il te tue. Et il va le tuer. Non, il tue pas. Eh, mais eh, Nasus qui a eh la rupture. Oh merde. Ah, c'est bon, ça passe. Ah non, c'est l'autre côté qu'il faut le traîner. Oh, oh. A plus. Allez, Nasus. Ça fait de 4 pour 3. Oui, c'est bien. C'est un bon fight. Mais moins 3 stacks. Fallait c'est partir vrai. Là. J'ai mis une rupture qui a changé le dernier. Oui, oui, t'as, t'as pas vu. Si, 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 je l'ai t'as, vu. T'as pas sur vu. Caitlyn et l'autre qui est à côté. Nidalee. Nidalee. Fume de tomate. Ouais, fume de tomate. 140 CS, 141 pour Renekton. Excusez du peu. Non mais. Excusez du peu. T'as quand même un avantage considérable. C'est lequel ? Toi, tu ne vaux pas d'argent. Toi, si on claque. Encore un avantage. Si on claque des trucs pour te tuer, tu knockers. Je knockers. Ah, tu vois rien. Je knockers. Voilà. Donc là, tu viens, tu croques, tu fais tes stacks, comme ça, t'es relou à tuer, tu vois rien et tu fais chier. Bien sûr. C'est parfait. Moi, je me dis ça quand j'arrive dans une game. Bon, non, mais façon, faut en avoir conscience quand même. Ouais, bah j'en ai conscience. Donc si vous êtes à 0-12, bah, pour ce moment-là, vous en foutez. Hein. C'est, vous pouvez y aller prendre des risques. C'est beaucoup moins punitif. Oh. Ah oui, mais c'est pas ça qui va te faire courir plus vite. Non, ça c'est sûr. Prendre la toi, tu vois des gens groupés, tu souris, toi. Très belle rupture, un petit silence attache au bout. Voilà, flip-flap et tout. C'est très très bien. Vous avez un gros avantage dans votre composition. Masse. Ah, c'est intéressant, c'est un nouveau concept. C'est le Kayane versus The Tower. Très jolie rupture, le silence, mais ça ne suffit pas. Alors, on va stop grid. Voilà, parce qu'on meurt. Mais ils sont tous partis vers la lane. Là, lui, là, qu'est-ce qu'il fout ? Hein ? Tu m'expliques ? Et là, ah ! Et là, ce grab, là ! Hein ? Alors que c'était un copain, lui ! C'était pas un méchant sbire. Oh là là, oh Panthéon, il a pris tellement la sauce. Oh, j'aurais pas voulu être à sa place. Putain, Panthéon, il passe vraiment un sale quart d'heure. 2-5-1. C'est pas un 6-6, hein. Je suis désolé. 2-5-1. C'est ta luxe d'avant, Panthéon. Et même stat. Non. C'est pas la luxe de la dernière game. Ok. Click on the fucking lantern, il a raison. On fait un rabadon, Azonia. Je sais pas. On va faire un rabadon. Donc on va commencer à prendre. Voilà. Et on va jouer. On va reprendre un peu de sérieux là. Voilà. On va jouer ton Shogat quand même AP, mais de manière un peu plus effective. C'est-à-dire qu'on va plutôt chercher le crowd control au-delà du damage. Et tu vas garder justement. Attends, je vais pas écouter. On va jouer de manière plus effective. On va chercher le crowd control au-delà du damage. Mm-hmm. Donc si tu dois mettre un stun sur Renekton plutôt que Caitlyn, tu mets le stun sur Renekton. Ouais. On est d'accord avec ça. Et tu gardes ton burst justement pour protéger tes carry. Parce que là tu peux pas aller en front line tout seul. Tu vas juste assise au libère et surveiller du coin de l'œil ton placement et le placement de ton carry. Je voudrais bien un nom là. Oui, ça va arriver, t'inquiète pas. Voilà, tu peux nom là par exemple. Devant tout le monde, comme ça tout le monde voit que tu n'as plus ton croquage. Salut, je n'ai plus mon croquage. Voilà, donc ne jamais fermer entre nous. Le level 16 serait très important, bien sûr, mais bon, la face de lane a l'air très 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 jolie rupture. Ouais, mais bon. Mais c'est Kayle, bien sûr. Voilà, un silence, on essaie de t'attaquer au max, la rupture dans 2 secondes, un petit ignite, quelques par-ci par-là, voilà. Allez, la rupture, très bien joué. On essaie de garder la safe zone, le grab qui passe très très bien, le silence qui sera very soon, qui ne passera pas du tout. La rupture, le silence.
pour en faire plus et tu meurs. Enfin, j'ai cru que tu mourrais, hein, personnellement. Ouais, ouais, ouais. Alors, ils ont du lifesteal. Cette tour est morte. Non. Si. Elle est morte. Non. Ils vont pas venir. Alors, ils sont bêtes dans ce cas-là. Parce que cette tour est morte étant donné qu'il y a un Nasus. Oh putain, il était pas dans le teamfight là. Voilà. C'est exactement ça. Alors, non. Cette tour est morte. Voilà. Tu me nommes tranquille. Et voilà. Tu peux continuer à faire ton farm, c'est très bien. Donc ils sont déjà partis dépêcher à top lane. Le stream est encore replanté. Allez. Il y a Draven qui veut manger du pain là, je crois. Ouais. Prends lui ses CS, hein, en fait. T'as besoin de CS, de farm et tout. Fait les race maintenant. Il va tout me voler. Il va tout me voler. Oh merde. Non, vous allez vous voler tout seul. Alors, le stun sous tes pieds. Comme prévu, t'as pris le snare, t'es mort malheureusement. Dommage de vous. Donc ce Nasus qui reste solo, ça reste un problème. Ah bah oui. Nasus 4-5-5, Gantelet givrant, il a actuellement l'esprit de l'ancien golem, 144 CS. Il est juste trop bien dans la game par rapport à notre jungler, vous voulez dire. Mmh. Il a bien split quoi, c'est du bon boulot, c'est du bon boulot. Le truc qui est vraiment flagrant dans la game, c'est même pas le stuff, le farm, quoi, c'est level, regarde ça. Level 12 Panthéon, level 16 Kayn, level 15 Renekton, level 15 Nasus. Moi je suis level 15 aussi. Même le support est plus haut level que ton mid laner. Le support est plus level que ton mid laner. Ça on est d'accord. Forcément ça, ça peut pas passer. Donc à moins d'attendre. C'est vrai que quand même tu fais bien la différence avec tes CC en team fight. Mais le truc c'est que ça manque de dégâts quoi. Ah ouais, ça manque beaucoup trop. Ça manque de ruinage aussi. J'aurais... Et justement il t'en donne. Je voudrais bien faire un achat mais. Un achat? Non, pas sûr. Level 16 soon, ça c'est important. Je crois qu'ils sont en train de le faire. Oh, ils sont pas aussi bolzés que ça. Oh, si. Ah, si, carrément. Bah, go le faire. Go, c'est parti. Allez. Allez, go. Allez, go. Vous êtes 5, il y a pas de meilleur créneau à faire. Voilà. Pour le Nashor, non. Pas de meilleur créneau. Alors, je vais peut-être éviter de tanker. Ok, ça le lâche. Tu suis, hein, tu fais pas ton malin, tu suis. Tu suis le move. Tu suis le mouvement. Tu n'es pas en mesure de tanker le Nashor sans problème. Là où vous faites free poke, c'est la merde. Iron Solari dans le vent, c'est horrible. Mon dieu, j'ai les yeux qui brûlent. Et bah, back et. Back et push. Quel qui s'avance dangereusement là, regarde ce qui se passe. C'est qui la passe. Oh, oh la vache. Oh le snare, t'as la lanterne, c'est bon, ça va pas bien. Dieu, mais il est en papier de verre ou quoi? Ouais. Oh la vache. C'est con parce que t'as bientôt ta grosse baguette. Ah ça c'est relou. Ah, tu peux l'avoir là en fait. La Nidalee? Ah non, ok. J'avais pas vu. Le stun est très bien passé. Seulement, il y a Renekton qui arrive derrière et tout, c'est la merde. Il y avait une lanterne, je pensais qu'elle allait la prendre. Je pouvais pas. Non, Thresh, il est parti hors de range de sa lanterne. Du coup, même s'il avait voulu. Aïe. Au moins, cette histoire de match de promotion est réglée. Ah, je suis d'accord. On a plus à s'en soucier. T'as eu deux très bonnes games et deux très mauvaises. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Je peux essayer de gratter un peu. Voilà, il est okay, tout le reste en tout. Oh bah, tu peux faire la différence, mine de rien. Mais tu croques un. Voilà, il fait chier. Voilà, c'est bon. Ah, méga snare, forme de cougar, relou, méga relou, méga relou, trap Caitlyn, toi être gros, toi. Non, ça va.
Croque-le, il fait chier. Bon. GG. Ouais, regarde la ward de Nashor à quel timer elle est. Va poser la team. Alors quand bien même tu ne voleras jamais ce Nashor, c'est toujours cool d'avoir la vision dessus. Faut que si tu veux faire un flashing croquage, ça peut être marrant, mais... oui, je veux faire ça. Moi j'aime bien cette idée. Renekton qui arrive, you. Pourtant Renekton il s'est pas fait top, ça au moins on est sûr. Offset. Non, toi tu mets... Non, à ce moment-là, ce qu'il faut répondre, c'est pas ça. À ce moment-là, ce qu'il faut répondre, c'est Panthéon Carrier Dieu. Voilà. Après, tu vas certainement t'en prendre plein la gueule, parce que t'as 3-7. Mais bon, t'es beaucoup plus efficace que lui, on ne va pas... Mais bon. Je suis le seul un peu dans la partie. Mais les stats... Non, mais les stats, Osef. Non. J'étais à 1-5. Les gens n'Osef pas des stats. Oh, ton croquage. Oh, c'est cool. Oh, trop de violence. Il croque lui la gueule. Non, pas encore. Mais sous. Un petit Q-spell pour... Ah non, ici. Allez, tu crois. Voilà. Allez, ça, allez. Ça fait énormément de dégâts, là, s'ils n'arrivent pas à en profiter. Non. Non, mais Draven a pris moins 80% en fait. J'ai pas compris. Ok, j'ai compris. Il a explosé. J'ai compris. Alors, la Caitlyn. J'ai compris. La Caitlyn, 8-3. J'ai compris. Donc, compris. Le seul problème de cette game était Renekton à 11-5-15 apparemment. Non, bah, c'est pas Renekton le problème, c'est Kayle, Caitlyn, c'est eux. C'est l'ensemble, hein. C'est eux. C'est tous ensemble. Et c'est Nasus, c'est tous. Ouais, Nasus, Nidalee, c'était pas un problème. Nidalee, c'était pas un problème du tout. Je suis d'accord. Donc je n'ai vous pas. Vous n'avez pas remporté votre série, voilà. On s'y attendait. Bon. Comment ça, on s'y attendait? On s'y attendait que ça dise ça après que t'aies perdu ta game. C'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Sûr. Bon, je vais mettre un petit pouce quand même. Nasus, j'ai bien aimé. Nasus, ça fait du bon split, ouais. Je crois que Nasus, ça fait une game correcte. 4-7-10, tu vois. Tu vois, les stats. Alors, il est parti pour péter un câble à la fin. That fucking show. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? That build vs their team. Alors. No tankiness. Oh, j'avais quand même 3 KHP, quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est ça qui est important? Non, pas du tout. C'est pas ça qui est important. Alors, imaginons un moment que t'aies fait des résistances. Qu'est-ce qui se serait passé? Test. Vas-y, qu'est-ce qui se serait passé? Je sais pas, j'aurais pas fait de dégâts. Et donc du coup, il y aurait eu zéro dégâts. Il y aurait eu zéro dégâts, exactement. Et parce que Panthéon ne faisait pas son métier de dégâts. T'avais pas de midlaner. Ton Caryadé était complètement dead aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Nasus, donc il n'y avait pas de Caryadé non plus. Mais le vrai point dans tout ça, c'est que... Est-ce que faire Sunfire, machin, saucisse, Francfort, cœur gelé, ça t'aurait vraiment aidé à tanker? La réponse, c'est... Non. Je connais la réponse. La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce et pourquoi que... pas? Alors, bah pourquoi pas? Bah c'est très simple. Oui, debuff armure Nasus, debuff armure Renekton, debuff armure Kayle, Black Cleaver, la Swiss Bell. Toi, jamais. Même avec 4 cœurs gelés, t'aurais jamais tanké une team comme ça. Et pourtant, j'aurais eu l'argent de faire 4 cœurs gelés. Mais bon, Kayle c'est moins 15%. Mais bon, c'est en self, on s'en parle pas. Renekton, c'est 35%. On n'en parle pas assez, ça. Nasus, c'est 30 d'armure flat en zone. C'est beaucoup. 30 d'armure flat, sachant que Cargelé, c'est 99. Donc tu 30... parles au level 3, rang 3 ou... Rang 5. Rang 5 du E de Nasus. Donc c'est... Et puis, il fait des dégâts en pourcentage HP avec son ulti, donc c'est encore plus de valeur. Donc, moins 30 d'armure, 35% de Renekton, 25% du Black Cleaver, 35% du Last Whisper. On est à moins 160%, j'ai compté. Okay. Bon, on fallait faire des dégâts, c'est tout ce qu'il a dit. De toute façon, bon, bah, cette pas guerre, des dégâts, mais partir full dev, c'était de la connerie. Du coup, on se retrouve où, mon cher Twix? On va regarder ce fameux historique. On est bien, on se met bien 59 points, mais putain. Oh la vache! C'est beaucoup ça quand même. C'est beaucoup. Mais bon, ah oui, mais non, mais tu gagnes 20 points par game, ça va. Tu gagnes 20 points par game, c'est rigolo. Ouais, mais c'était mieux avant. Quand j'étais en Gold 2, c'était mieux. C'est pas grave, on va travailler ça à la maison, tranquille. Punaise, on va refaire une game, là.
On va refaire une game. Il est 23h12. Je pense qu'après la petite coupure de publicité qu'on va mettre, qui est réglementaire, ouais, va y avoir peut-être 45 minutes dédiées à ta personne. Sérieux ? Ça pourrait être bien. Oh la vache, je vais prendre 45 minutes dédiées à ta personne. Deux games de Warcraft 3. Deux games, ouais. Deux games de Warcraft 3, ça pourrait être assez aidant. Ouais, est-ce que vous voulez du War 3 ? Oui, oui, vous voulez du War 3. Vous voulez que Twig joue du War 3 ? Oui, vous le voulez, vous n'avez pas encore répondu, c'est pas grave. Vous voulez me voir perdre comme c'est une merde. C'est validé, de toute façon. On est parti dans 1 minute 30. On change un petit peu l'install, publicité, on se retrouve dans quelques instants sur MMTV 2. Pensez au Facebook, LegLOL, L-E-G-L-O-L, ça me fera plaisir. Et ça fera aussi très plaisir à Twixila. Twix, regarde la caméra. Oui, oui. Mais si. Ah oui, oui, non, pas War 3, ça me fait pas plaisir, mais. Des Facebook, ça fait grave plaisir. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur MMTV.